bruit du démon. Je mets des petits coups comme ça. Ça fait des pics, paf, pouf, paf, pif, paf. Pilala, paf, pouf, paf. Rac, du paf, carrément. Par contre, il fait une chaleur. C'est incroyable. Ah ouais, c'est chauffé plutôt là. Paf, 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 paf. Je sens au niveau de mes yep et dans le dos surtout. Dans le dos, ça commence à ruisseler un petit peu là. Oh, oh la chaleur. Ah, c'est con à dire, mais c'est comme, comme quand j'ai eu l'accident. Il faisait une chaleur, c'était incroyable. La chaleur qu'il y avait quoi. Moi, je veux pas que ça me porte l'œil hein, parce que non merci. Mais c'était pour dire tellement qu'il faisait chaud aussi le jour de l'accident, je m'en rappelle. C'était ah ouais, c'était ouais, c'était chaud, chauffé plutôt. En tout cas, la route elle est hyper chaude parce que mon pneu, comment il accroche, je le sens que je sais même pas comment expliquer comment un pneu accroche bien. Genre, j'ai pris le virage, tu vois, la moto elle voulait pas se redresser. Genre, c'est moi qui devais la redresser, tu vois, parce que je sais pas comment expliquer. Genre, forcément, c'est moi qui la redresse la moto, mais c'était bizarre. C'était bizarre. Wesh, c'est une Lotus incroyable. De chaleur. En fait, le vent, il est chaud. Il est même pas froid, le vent. Enfin, il est pas froid. Encore une fois, je me suis compris. Tu sais, il te refroidit pas trop. Il te réchauffe plus que ce qu'il te refroidit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. J'ai ma voiture là-bas, il faut ouais. Une pièce d'un euro. Non, on a que la carte, nous. Vu qu'on est en moto, on a que la carte. Vous n'avez pas une pièce d'un euro? Non, du tout. T'as pas tes pièces? Non, moi j'ai pris que ma carte. Ah. Et ça prend pas la carte sinon, ça? Pardon? Ça prend pas la carte le truc? Ah, non, il me reste la fin du rinçage, c'est-à-dire, j'en ai même pas pour. Non, ça prend parce pas. Que j'ai vraiment. Ça prend que les pièces d'un euro. J'ai vraiment que la carte. Après, si vous voulez vraiment rincer, je peux vous mettre un euro avec la carte si ça prend un euro. Ils prennent pas la carte là-bas, à mon avis. Ah, ils prennent pas la carte? Ah non, ils prennent uniquement. Ah, sinon je devrais bien payer, mais j'ai que la carte. C'est gentil à vous. Mais bah, je suis désolé. Je vais rentrer. Sinon, vous roulez un peu trop vite et hop, ça sèche. Je vous remercie. Ah, désolé, hein. Ah, j'ai pas de carte, j'ai pas de pièce du tout là. Ah merde, tiens-moi ça s'il te plaît, parce que j'ai pas ouvert ma trappe. Ah, moi si j'avais eu des pièces, j'aurais bien donné, mais j'en ai pas. C'est vrai que j'ai rarement des pièces... De 1 ou 2. Ouais, c'est vrai que c'est rare quoi. Oh là là, j'étais vraiment à sec hein. Je me disais aussi, elle avançait pas, tu vois. Elle avançait pas? Ouais, elle avançait pas. Ah, tu trouvais? Ouais. Peut-être que tu roulais normal. Bon, peut-être que je roulais normal alors. Je suis chargé derrière, donc il roule normal. Oui. Oh, j'ai des grenouilles. Hein? J'ai des grenouilles. J'ai des grenouilles? J'ai des grenouilles. C'est quoi ça? Dans mon ventre. Ah. Oh, ce bruit. Eh, tu sais ce qu'on a oublié? Quoi? Le U. Hop là, pause. Attends, t'as oublié ton U. Mon gars, t'as oublié ton U, t'es sérieux là? Oh là là. Ah mais non, c'est pas grave, on s'en fout frérot. Pourquoi on s'en fout? Parce que, c'est quoi ce petit truc là? C'est quoi ce... Attends, je me rapproche, deux secondes hein. C'est quoi ça? Aïe. Eh oui, le petit flash bird. Ouh. Oh là là, ça fait plaisir. Ce qu'ils ont sorti, vous êtes pas prêts. Alors déjà, il y a ça hein. Bon, c'est pas le traceur GPS hein, je te préviens. Déjà le traceur GPS, il est dans la moto. Pour le trouver, bon chance comme dirait Liam Neeson dans Tekken là, toi même tu sais. Du coup les gars, Flashbird, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, c'est une évolution de Pégase. Que moi j'avais Pégase jusqu'à présent. J'ai eu un problème par rapport au Pégase et du coup au moment où j'ai eu le petit problème avec Pégase, ils m'ont dit "Mon petit Pika, on a sorti un nouveau modèle." Et là ils me sortent Flashbird, c'est clairement un truc de fou malade. Je crois que t'es pas prêt parce que quand la community mana hop là, elle va se calmer celle-là. Oh, je suis tellement excité, vous savez même pas. Quand la community manager elle m'a parlé de Flashbird, j'ai dit mais dis-moi, c'est révolutionnaire le bordel, clairement. Des fonctionnalités que Pégase n'avait pas, c'est abusé. Et salut.
Ouais, je m'éparpille trop, c'est incroyable. Bon, du coup, Flashbird, voilà, on va se calmer, on revient aux bases. Flashbird, les gars, c'est un dispositif anti-vol, de 1, un autre dispositif accident, en gros, ça détecte si jamais t'as un accident, ça te prévient directement les secours, genre ça, c'est aussi un truc de ouf. Et il y a encore 2-3 nouveautés, mais je vais y venir par la suite. Déjà, je vais commencer par le principal, c'est le vol. Admettons, je me fais voler ma moto à 23h, bref, on part sur ça, tu vois. Flashbird, hop, petite notification, bonjour, votre moto, elle a pas été volée par hasard. Et moi, je descends au garage, je fais, bah si, elle y est plus. Du coup, Flashbird, hop, il t'envoie une notification. Et dès que tu reçois la notification, t'as la possibilité d'appeler. Alors, c'est pas toi qui appelles, c'est Flashbird. C'est des gens qui sont dans l'entreprise de Flashbird qui appellent la police. Et ce service, les gars, il est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les frérots, je peux dire que d'une, ils dorment pas, de deux, ils travaillent même les week-ends. Alors que toi, le week-end, t'es là. Comme ça, les pieds en éventail. Alors que eux, ils charbonnent pour retrouver ta moto. C'est exceptionnel, tu vois. Et du coup, ça s'appelle Flashbird Cops. Cops pour, t'as compris, la police, hein, bilingue, hein, on est tous bilingues dans la vie. Du coup, voilà, ça c'est pour le côté, si jamais tu fais voler ta moto, ben voilà, ils préviennent directement la police, t'es en contact avec Flashbird, la police et toi, et peut-être après les voleurs pour la mettre un petit taquet comme ça dans la bouche. Après, du coup, il y a le Flashbird Emergency, bilingue encore une fois, tu sais. Ça, ben voilà, comme je l'ai dit, c'est si le traceur détecte que t'as eu un accident, elle prévient directement les urgences, quoi, avec la géolocalisation du traceur, les pompiers ou le SAMU, enfin bref, ce qui sera sur place, enfin ce qui va arriver sur place sera directement où chercher, parce que voilà, le GPS, les gars, il est traçable à un mètre près. J'ai pas mon petit mètre là parce que voilà, je me suis mis un petit peu en mode beau gosse pour vous sortir ça. Voilà, un mètre, c'est, allez, on va dire, c'est peut-être ouais, peut-être ça, tu vois. Je sais pas si je le montre assez bien, mais c'est pas énorme, un mètre, hein. Du coup, le deuxième point, c'est voilà, si jamais t'as un accident, hop, Flashbird Emergency. Ben voilà, il prend le relais, ça appelle les pompiers, ça appelle tout le monde, quoi. Encore une petite chose, cette clé là, cette petite clé, ben en fait c'est une smart key. Smart key, ouais, je sais pas comment on dit ça, mais c'est une smart key. En gros, c'est comme les voitures maintenant, ben t'as pas besoin de clé pour entrer dans la voiture, elle détecte que t'as ta clé dans ta poche, je sais pas quoi, et hop, elle déverrouille la voiture. Mais ça c'est pareil, dès que tu t'approches de la moto qui a le traceur, bien sûr, hop, elle détecte la clé, et t'as même plus besoin d'aller sur le téléphone, hop, retirer l'antivol, hop, ranger ton téléphone. Mais ça le désactive automatiquement, et pareil, ça l'active automatiquement quand tu t'en vas de la moto, quoi. Dernier petit point qui est vraiment ouf quand même, admettons que tu te fasses voler ta moto ou t'as un accident et que ta moto elle est épave, ou que tu sais, je sais pas, tu te l'es fait voler, ça met 30 ans à la faire revenir, tu vois, et ben t'as une assistance, on va dire ça comme ça, c'est Envie de Rouler, et ben en fait, ouais, ils sont en collaboration avec eux, et ben ils te prêtent un véhicule de la durée du fait que ta moto elle est inapte, quoi, tu vois, genre tu peux pas rouler avec. Donc ça c'est encore un truc de ouf, et normalement à 90% des cas, l'assurance elle prend en compte ce prêt de véhicule. Et là ils m'ont régalé, donc forcément moi je me devais de vous régaler. Donc du coup, écoutez-moi bien, c'est un peu ouf ce qui se passe. Jusqu'à fin janvier, vous avez moins 60€ sur le traceur. Salut. Vous avez moins 60€, donc ce qui est incroyable, tu vois, la plupart des youtubeurs ils ont 20€, peut-être 30. Moi ils m'ont dit, écoute, t'étais là au début, je sais, t'es là encore maintenant, je suis encore là. Du coup voilà, bam, 60€, les gars, c'est incroyable. Et après t'as un abonnement de 5€ par mois, mais ça, ce qui est normal, tu vois, c'est que en fait les 5€, ça va servir à payer ceux qui sont en communication avec la police, tu sais, ils sont quand même H24 avec toi, 7 jours sur 7, et pour le emergency aussi, ouais, vas-y, Schmitt, couverture, y a pas de souci, pour la peine. Voilà. Du coup, voilà, clairement, là, Flashbird, ils vous ont régalé. Donc, si jamais tu veux t'acheter un petit traceur, tu passes par mon petit lien qui est en description. Tu mets PAIKA60 pour le premier code promo qui est de 60€. Et à partir de février 2024, ça repasse à PAIKA20. Et là, t'as moins 20€ sur le traceur, quoi. Donc voilà, j'espère avoir été quand même assez clair sur ça. Si jamais j'ai oublié un petit point, mais je pense que j'ai dit vraiment les plus importants, il y a quand même
même un autre lien en description. L'équipe Flashbird s'est régalée et a très très bien tourné la vidéo d'explication du traceur. Du coup voilà, moi c'était Paika. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais des gros poutous. Et dans les bouchons, ça m'énerve. Voilà, oh là, elle est incroyable, incroyable. Par contre la galette, dommage. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez un petit traceur avec un bon code promo des familles. Allez, ciao ciao. Ah, c'était Kevin et Jordan. Putain, on n'a pas pris le U quoi. Ouais. Je vais les mettre là-bas là. Ouais. Eh, regarde où tu marches, je vais te faire mon broom. Oh là là, ce travail. Ah, je suis mort. Grand-mère à toi, mais t'es sérieux toi la p***. Non mais il est complètement malade là. Tout ça parce qu'il veut suivre son copain le mongolien là, putain. Hé hey, arrête de tuner ta caisse et va passer ton permis, putain. T'es mongolien ou quoi? Arrête de suivre ton pote un peu là, putain. Ah, des mongoliens, je te jure quoi. Ça me rend fou ça. Ouais mais c'est parce qu'en fait il voulait suivre son pote, c'est tout. Ah ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, hein. Deux mongoliens, t'as vu les deux motos là? Ouais. Ils ont dépassé les deux motos plus moi pour se rabattre. Ça va, on vous a pas dérangé? Non, ça va. Mais espèce de mongolien, t'as failli nous rentrer dedans, trou de balle, va. Repasse ton permis. Putain. Non, mais le pire, c'est qu'il nous dit... Non, non, ça va, genre je l'ai pas dérangé, mais putain, mais c'est incroyable, incroyable. Oh, le mec, je lui dis, ouais, ça va, on vous a pas dérangé, il me dit, non, non, tranquille. Putain, mais... Merci. Ouais, je sais pas. Un petit rassaut du soir, ouais. Improvisé, impeccable. Tu peux pas rouler comme tu veux là. C'est pas grave. Rien que l'ambiance, moi ça me fait kiffer. Voilà, c'est un kiff. Le soir, je rencontre des motards. Tranquille, au calme, ils font leur petite balade, je m'incruste avec eux. C'est ça la passion de motard là, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon après voilà, t'as encore des trous de balles, encore et toujours. Ah, c'était trop bien. Ouais. Un petite balade avec d'autres motards, improvisé en plus. Pas de soucis, vas-y, 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 mon gars. Tu dors? Tu dors, mon gars, ou tu dors pas? T'es malade ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va. Vous faites quoi? On va rentrer ça faire un peu là. Ok. Ça prépare sévère un peu, non? Ouais. Vas-y, passe. Ah, ça prépare sale les affaires là. Hein. Ouais.
Là, on va à Toulouse chercher des cartes pour Brest. Ok, ok. Et moi je vais chez le coiffeur. Ouais, parce que mes cheveux c'est n'importe quoi là. T'as vu ton coiffeur ce matin? Non. Yes. Du coup là ça va être la circulation là. Voilà là. Ah, ça va être une vraie pilote la meuf. Certez que Karine les babouches. Bon allez, bisous. Ah là là, me régale. Ben les gars, celui qui était là dans la caisse, dans l'auto, et avec sa copine, c'est Lucas. Lucas, le mec qui a filmé le Z. Donc, oh là là, incroyable de les croiser ici. De toute façon, à chaque fois que je retourne sur Montpellier, il se passe des dingueries monumentales. Et du coup, à côté, c'était sa copine qui vient de passer son permis. Enfin là, elle a eu son plateau du coup. Et ça fait 2 mois, je crois même pas, qu'elle est inscrite au permis, si je dis pas de bêtises. Et elle a déjà eu son code, elle a déjà eu le plateau du coup, et là il lui manque que la circu. Donc en vrai, choper pito la petite Karine, hein. Ah, me régale. D'accord, ah d'accord. Dès que je reviens ici, il se passe un truc de fou malade. Ça s'arrête plus là, ça y est, elle est lancée là, la coquille. Eh hey, wesh, mais c'est quoi ça? Eh hey, j'ai une moto ou j'ai un lance qui pète là? Ah, ça me fume. Du bout des doigts, je la conduis l'automobile carrément. Hop, je dépasse avec le bout des doigts. Merci mon gars. Dis Siri, lance la playlist US sur Spotify s'il te plaît. Mon frérot, t'as une piste cyclable là et tu viens sur la route. Ah là là, je te jure. Après, Espagne, oui, un vélo a été fauché par un automobiliste. Nanani, nanana. On fait des pistes cyclables. On condamne des rues pour vous et vous mettez sur la route. Ça, c'est incroyable. Tous les gens qui font du vélo vont dire, ouais, c'est pas ton souci, va apprendre à conduire. Tu sais, je fais un peu les aigris là en ce moment là sur la chaîne. Ouais, je les vois bien venir ceux-là là. Surtout les cyclistes, t'sais, genre qui des cyclistes quoi. Ceux qui pédalent quoi. Comme moi. Toi, je pédale à balle là. Là, je suis à. Je pédale de ouf là.